Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle assurance Airbnb, l'assurance qui s'appelle AirCover. Depuis le 9 novembre 2021, cette nouvelle assurance est en jeu dans Airbnb. Elle remplace la garantie hôte qui était jusque-là disponible, ça faisait 10 ans qu'elle était en vigueur sur Airbnb. Airbnb vient de sortir cette assurance qui sera évidemment gratuite et qui sera en fait sur toutes les réservations et qui remplacera tout simplement celle qui était actuelle, donc la garantie hôte. Alors, Airbnb nous dit que cette nouvelle assurance, donc AirCover, permettra de remplacer toutes les défaillances de l'ancienne assurance. Non, en fait, ce qui est vrai, c'est que la garantie hôte d'Airbnb, beaucoup d'hôtes l'ont utilisé. Moi-même, je l'ai déjà utilisé récemment également. Et c'est très complexe d'utiliser. Et surtout, ça ne couvre pas tout. Alors, Airbnb, apparemment, d'après ce qu'ils disent, je vous montrerai après le clip marketing qu'ils ont fait à ce sujet juste à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Disent qu'effectivement, il y a eu beaucoup de remontées de propriétaires. Et donc, ils ont voulu améliorer leur assurance. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Donc, ils indiquent que, par exemple, lorsqu'il y aura des dommages liés à des animaux, l'assurance maintenant va prendre en compte ces dommages et donc va les garantir. Même si les animaux ne sont pas acceptés dans votre annonce et qu'un voyageur est venu avec un animal alors que ceci n'était pas autorisé, Airbnb dit qu'il va, à partir de maintenant, rembourser s'il y a des dégâts liés à des animaux. Pareil, il y aura une perte d'exploitation, c'est-à-dire s'il y a eu des dégâts ou des dommages qui ont été faits par des locataires, des voyageurs Airbnb, si derrière vous ne pouvez plus réserver sur Airbnb la nuit de ce soir ou des semaines qui arrivent, Airbnb dit qu'il va prendre en charge cette perte d'exploitation et va vous la garantir. Également, il faut savoir que jusqu'à maintenant, lorsqu'il y avait des odeurs de cigarettes ou des taches sur des tapis ou autre, c'était très difficile de se faire rembourser par Airbnb. Maintenant, cette nouvelle assurance AirCover, apparemment, indemnise ce type de nettoyage, donc ces nettoyages en profondeur ou ces problèmes d'odeur de cigarettes. Airbnb dit qu'il va, à partir de maintenant, avec cette nouvelle assurance, prendre en charge en garantie ces problématiques. Également, il faut savoir que maintenant, Airbnb va vous permettre de déclarer tout dommage sous 14 jours. Alors jusqu'à maintenant, on avait 14 jours, mais si entre deux, il y avait une nouvelle réservation Airbnb qui s'exécutait, il fallait nécessairement avoir déclaré les dommages avant l'arrivée du prochain voyageur Airbnb. Maintenant, Airbnb dit qu'il y a bien 14 jours pour déclarer, même si entre deux, il y a une nouvelle réservation d'un voyageur, si la déclaration n'a pas été faite, la garantie va quand même s'exécuter. Et dernière chose qui est également importante, il faut savoir que Airbnb va aussi garantir toutes les personnes qui vont vous aider à gérer votre logement, par exemple les dames de ménage. Donc si les dames de ménage, imaginons, font un dommage dans votre appartement, il faut savoir que Airbnb dit qu'avec cette nouvelle assurance AirCover, vous serez garanti. Donc Airbnb, d'après leur dire, je dis bien d'après leur dire, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas utilisé, et à ce jour, personne ne l'a encore utilisé, puisqu'elle est existante à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir que, donc à partir d'aujourd'hui, le 9 novembre 2021, il faut savoir que Airbnb a pour objectif, donc, de garantir un maximum de choses et surtout de combler toutes les critiques qui lui étaient faites jusqu'à maintenant avec son assurance garantie hôte qui effectivement est très complexe d'utilisation et qui ne garantissait pas tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne partez pas tout de suite parce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout de suite le clip marketing de cette nouvelle assurance. Vous allez pouvoir voir par vous-même ce qu'il en est, ça synthétise ce que je viens de dire à l'instant et vous ferez votre propre idée par rapport à cette nouvelle assurance. N'hésitez pas à m'indiquer sous cette vidéo si vous pensez que cette assurance va vraiment être plus efficace que celle actuelle ou si c'est simplement un coup marketing d'Airbnb. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est sous cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne pour être informé des actualités et également être informé de tout ce qui est lié à la location courte durée.
Sur ce, je vous dis à très bientôt et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer tout de suite le clip marketing d'Airbnb. Ciao! 10 years ago, Airbnb introduced the host guarantee, which offered up to $1 million in host damage protection. It protected you in the rare event a guest damaged your place or belongings during a stay. However, we heard from you that the process could be more straightforward and that you weren't always covered for some of the unexpected day-to-day incidents that might occur. So we're thrilled to introduce AirCover. It's top-to-bottom protection for hosts that protects you for stays booked through Airbnb. It includes $1 million in host liability insurance, which supports you and even those who help you host, like co-hosts or cleaners. And $1 million in host damage protection, which also includes reimbursement for lost income if you have to cancel Airbnb bookings because of damage caused by your guests. And you ask for additional protection, so with AirCover, we're giving you even more, including pet damage. If a guest's pet stains a rug or scratches a surface, you'll be covered. Even if you don't accept pets and a guest brings one anyway, you're still covered. You've also shared stories of times when your home required a deep clean after a guest checked out. So AirCover will reimburse you for everything from removing smoke odors to steam cleaning your carpets and rugs. And you told us that you sometimes don't discover guest damage until a new guest has checked in, which was too late to report it. No longer. With AirCover, you can now submit a request for reimbursement up to 14 days after that guest checks out. It doesn't even matter if your next guest has checked in. Finally, we always want to further recognize our super hosts. So we're giving you priority routing and faster reimbursements. Damage rarely happens here at the Beach Lodge, but when it does, having 14 days to report it gives me peace of mind. Hosts are the heart of Airbnb, and AirCover has been inspired by your feedback. It's always free and always included whenever you host. Only on Airbnb.